Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mac Aventure. Je profite de ce magnifique temps de printemps pour vous faire une petite vidéo. Je vais vous parler d'une application, ça s'appelle Facebook Download. C'est une application qui va vous permettre de récupérer des fichiers vidéo sur Facebook, que ce soit sur votre page Facebook ou sur la page de quelqu'un d'autre. Vous allez pouvoir en récupérer la vidéo sur votre smartphone et l'utiliser pour en récupérer soit les images, soit le son, soit les deux. On voit ça tout de suite et paf, générique. Commencez par télécharger l'application dans Play Store. Je vous rappelle que j'utilise un smartphone Android. Et une fois ça fait, laissez-vous guider par l'application pour entrer les codes de votre page Facebook pour pouvoir vous y connecter. Et à partir de ce moment, c'est très simple. Il suffit simplement d'aller sur votre page, de trouver les vidéos. Alors, vous ne pouvez pas accéder à vos vidéos en les trouvant dans la partie photo. Ça, c'est dommage. Il faut faire descendre le menu pour arriver aux vidéos que vous voulez récupérer. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Vous pouvez aussi également, si vous le souhaitez, récupérer des vidéos sur les pages d'autres personnes. C'est tout à fait faisable. Vous pouvez même récupérer uniquement la bande son si vous voulez. Vous allez voir que c'est vraiment très pratique. Vous avez téléchargé l'application Facebook Download sur Play Store, puisqu'on est sur un smartphone, je vous rappelle, la marque Android, système d'exploitation Android. On clique sur l'application. Bon, la page, je m'en souviens directement puisque j'y suis déjà allé un petit peu avant. Sinon, vous aurez juste à vous laisser guider par l'application et vous allez arriver sur la page Facebook et vous vous connectez directement à votre page et vous allez pouvoir voir les vidéos. Alors, vous ne pouvez pas accéder aux vidéos en passant par exemple, ici, on a toutes les photos. Malheureusement, par cet endroit, vous n'y irez pas, puisque vous allez avoir accès aux photos, mais pas aux vidéos, et il n'y a pas moyen de retrouver. Donc, si c'est vraiment loin dans votre page Facebook, il faut faire dérouler. Moi, je vais prendre celle-ci. C'était un live que j'avais fait. Donc, je vais la télécharger. Donc voilà, c'est téléchargé, et j'ai plus qu'à aller voir si cette vidéo que j'avais fait donc en live est terminée. Voilà, je vais regarder la vidéo. Alors, le chargement, voilà. Donc voilà, je suis donc là. Amis du jour, bonjour, bonjour à tous. Dans ma bébé, voilà. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne très bien. J'ai récupéré donc le fichier vidéo que j'avais fait en live sur ma page Facebook pour l'avoir dans ma bibliothèque de vidéos. Vous voyez, c'est vraiment très simple, mais ça peut être très pratique. Vous pouvez également aller chercher des vidéos sur les pages d'autres personnes, hein, vos amis par exemple, qui ont fait une vidéo que vous voudriez récupérer parce que c'était fait en famille, par exemple un anniversaire, ils avaient filmé un live et vous voudriez récupérer cette vidéo, bah, vous pouvez le faire, vous pouvez même récupérer la bande son si ça vous intéresse. Bien, et ben voilà les amis, je vous ai fait une petite vidéo toute simple parce que je commence à vraiment être en manque de sujets. J'espère que ça vous aidera et que vous aurez aussi envie de récupérer des vidéos. Et juste pour vous expliquer et savoir que bah, c'est possible de le faire. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. Je vous dis comme d'habitude, ciao bye bye. Mais avant, n'oublie pas de quand même aller voir si tu t'es abonné. Active la cloche pour ne pas manquer les futures vidéos. On se retrouve très vite. Ciao bye bye.